Bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise mes beignets de banane. Sans toutefois tarder, nous passons directement aux ingrédients. Nous avons besoin de la banane bien mûre. Ici, mes bananes sont congelées. Généralement, quand mes bananes sont tellement mûres, je congèle pour éviter de les jeter. Après, je laisse mes bananes se dégivrer, comme vous pouvez constater à l'écran. Ensuite, nous avons besoin du sel, de la farine de maïs ou farine de blé, ensuite de la semoule de maïs et de la banane non congelée. Ensuite, je viens éplucher mes bananes, j'ajoute aux précédentes et je vais venir écraser. Après avoir bien écrasé mes bananes, je viens y ajouter du sel. Ensuite, de la farine de maïs. Et après, la farine de blé ou farine de maïs aussi. Et je mélange. Pas besoin de sucre. Lorsque votre banane est tellement mûre, comme vous avez constaté à l'écran, vous n'avez pas besoin de sucre. Mais c'est facultatif. Si vous désirez, vous pouvez y ajouter. Moi, je n'en avais pas besoin et mes beignets étaient tellement sucrés. Bien mélangé. Ici, j'ai préféré faire mes beignets sans levure. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment je fais mes beignets bananes avec de la levure. Dans une poêle, je fais préchauffer mon huile et je vais utiliser une cuillère à café pour former des boules de beignets. Vous pouvez aussi utiliser la main. Et comme j'ai dit, c'est une recette très facile et rapide, pas de complications. Frit à feu moyen, pas vif. Si le feu est vif, vos beignets ne vont pas cuire, ça va seulement brûler et l'intérieur sera cru. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.